Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien nous pas perdre de temps, n'a commencé. Cool yeah. M'a demandé pour 11 ministères et 12 organismes qui concernent directement dans la question appliquer documents politiques et stratégie nationale pour payer à grand monde tête dans les affaires manger et nutrition, engager au même genre avec moi. Tout gouvernement doit avoir priorité dans les affaires protocolées pour grand goût et misère kaba dans le pays. Dans différents voyages que j'ai fait à travers le pays, tout le monde dit pendant les derniers jours, les derniers mois qui sont passés, depuis le gros problème qui vient dans le pays, c'est l'insécurité avec grand goût. Il faut me dire un bon encouragement à demain comme chef de l'État pays. Je prends tout le gouvernement pour nous gourmer et combattre deux phénomènes. Ça veut dire chaque ministre, chaque directeur, secrétaire d'État qui l'a, il faut qu'on ait deux problèmes, c'est deux phénomènes. Ça veut dire qu'il faut nous gourmer pour nous combattre. Pour nous bailler peuple là, possibilité pour le vivre plus à l'aise. Nous avons déjà résultat qui a tombé dans les affaires plus produits, première nécessité qui a descendu. Nous avons continué dans le même sens. Nous prenons des mesures économiques dans le cadre pour nous relancer l'économie pays après le coronavirus. Là. Parce que son programme que Primati, qui vient en tête du Premier ministre, il a travaillé pour mettre sous pied. Qui a fait entre 2020 et 2023. Ça veut dire 2020, 2021, 2022, 2023, son programme 4 ans, pour nous capables de relancer l'économie après le coronavirus. Nous avons demandé pour le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Planification, le ministère de Finances, pas oublier de prendre mesures pour diminuer les conséquences des effets climatiques sur la production agricole. Tout le ministère doit travailler main en main, en harmonie pour et structurer, améliorer gouvernance secteur agricole là. Pas la guerre ministère agriculture pour contre lui. C'est pour le ministère commerce, bureau qui fait coordination avec suivi, accord avec CARICOM, avec Organisation mondiale commerce, administration générale douane, avec toute notre institution qui concerne eux, faire l'État bon genre recommandation sous politique l'État doit appliquer pour protéger la production agricole nous. Et puis, faire bon contrôle qualité dans les produits qui viennent vendre sur le territoire nous. Parce que nous n'avons pas paquet de produits qui rentrent. Nous n'avons pas comme qualité. Laboratoire tamarinier, ministre de l'Agriculture, renforcé pour service quarantaine de la douane, capable de commencer bien marcher, parce que en pile maladie cardiovasculaire commencé dans le pays, c'est mauvaise qualité produit que nous avons mangé. Ça veut dire que nous, même l'État, nous prenons charge. Il n'y a pas de gens là-dedans, il n'y a pas de gros autobus là-dedans. On monde qui décide de commander pour venir faire le peuple à manger, c'est pour qu'on ait que produit ça, il faut que de bonne qualité. Maintenant, de tout, bailler des fonds avec partenaires financiers et techniques, qui connaît des secteurs n'a pas agi en degré de gauche, en département par rapport à ce que le gouvernement a fait. Faut intervention toute barrière à l'ensens priorité gouvernement. Faut nous pas gourmer avec l'État. Parce que l'État a une route libre à payer, c'est route ça. Tout le monde qui a l'argent contribuable international dans le monde, c'est route ça, route suivre, pas une route pas bois, c'est route l'État prend, c'est lui qui bon. Si tout le monde ne prend pas de leçon dans le coronavirus, là, moi j'ai un pile de choses que moi-même je vais apprendre. Nous sommes obligés de changer la façon de vivre, la façon de saluer le monde. Toutes les frontières sont obligées de fermer. Leçon que moi je vais apprendre, c'est de faire comprendre qu'un pays doit être autosuffisant. Ça veut dire que grand monde tête qui dans les affaires manger. Expérience ça, vient même plus force. Puis renforcer ses convictions dans la question de combattre l'insécurité alimentaire et prendre mesures pour renforcer la production nationale. Et je demande pour tout Haïtien faire effort
pour consommer pour dire local. Comment on veut pour un monde à vendre des oranges? On veut des oranges la caille avec des oranges, grenadia, citron, chadec, les lap monter la caille, lâche ton suiti. Ça veut dire bon fruit, qui a fait bon jus pour le boire. Les vinyles vendent. Et puis les lap monter. Ça construit le monde. Ça est triste. Et faut nous parler. Parce que c'est des réalités que vous voyez. Faut nous parler pour nous capables de gommer, pour nous changer le comportement. Ça demande pour institutions qui concernent commencer à faire éducation nutritionnelle peuple. Pour faire peuple comprendre qui est bon pour la santé. Parce que meilleur médicament pour l'homme, c'est une bonne alimentation. Meilleur médicament pour le monde qui prend, c'est le ou consommer, manger de qualité. Ça veut dire que les gens, pas qu'ils viennent vendre dans le marché, ils viennent vendre bon gens grenadia, bon gens citron, bon gens chardec organique, et puis les apporter, ça construit. Il faut nous travailler pour ça, nous bloquer. L'autre mesure que nous te prenons pour combattre la vie chère, c'est baisser le prix du gaz dans le pays. Avec gaz, nous t'étais là avec vous, avec courant par un. Avec courant, son, ce petit point iceberg là. Avec gaz, c'est tout restrictif là en bas de l'eau. Nous décidons pour appliquer strictement loi qui te prend en mois mars 1995 là, qui dit depuis le produit pétrolier augmenté plus passé 5% sur le marché international là, nous avons fait un ajustement à la hausse sur le marché local là. Ça veut dire que nous avons mis tel pire. Même gens tout, si le produit pétrolier descend plus passé 5% sur le marché international là, nous avons descendu tout sur le marché local là. Qui donc, la population est claire que cette civilisation politique, violence toute qualité, mauvaise foi, certains acteurs avec mauvaise gouvernance qui est responsable de misère, grand goût et insécurité dans le pays. Et ça fait gaz là, je vais te parler de gros amis. Hein. Gaz ça a un gros ami là-dedans, gros autobus. Les autobus ça où tout le monde là net. Ils comprennent moi-même. Gros ministre, premier ministre, président, sénateur, ancien député, ses amis. Yo. Gros autobus. Mais dans l'affaire Gaza, nous tous dans l'État, nous avons une décision, nous avons tête ensemble pour nous parler de la parole. C'est pour ça que je dis, spéculation que nous avons fait sur l'affaire Gaza, côté l'homme qui importe gaz, c'est un coup élastique. Si pour y aller comme ça, si Gaza plus bon marché sur l'international là, il tire. Son gens pour prier toujours, même pour y aller sur le marché local là. Avec dit l'État lui-même, là il tire là, ça va venir en plus là, c'est l'État qui vous met le cob là. Les vins plus chers encore, il tire. Ainsi de suite. Ça veut dire, avantage pour gaz là, l'État haïtien, pour me dire peuple là, pas jamais rejoindre. Parce que là, nous prenons quoi? Par exemple, du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, l'État haïtien financé, je ne vais pas dire subventionné, environ 300 millions de dollars américains par les gens qui importent gaz dans le pays. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous prenons une décision aujourd'hui. Hein? Nous te mettons sous pied une commission. Commission, ça, hein, que le Premier ministre a eu une chance de diriger, président. De faire des recommandations claires, les dit nous, l'État ouvert géo. Retirer tout intermédiaire, commander gaz direct. Et c'est ça nous fait qu'on y a. C'est pour ça, dans même ça fait commander gaz direct là, électricité d'État d'Haïti aujourd'hui, quand tout le monde qui a gardé la capitale, comprennent bien qu'on bon amélioration dans les affaires courantes à travers le pays. Et pourtant, dans 20 800 000 dollars subvention, que l'État ici, à travers le Trésor public, à travers le ministère des Finances, qu'on fait par le secteur énergie, de mois septembre, nous commençons le programme, pour y aller aujourd'hui, pour nous préciser, de 16 septembre
Au 16 octobre, nous avons dépensé 6 millions de dollars pour moi. Qu'on y en a contrôlé du 16 octobre au 16 novembre pour nous combien qu'on a dépensé. Ça veut dire 20 millions de dollars environ qu'on a dépensé pour blackout. Je dis à 6 millions de dollars dépensés dans 20 millions pour la lumière. Nous comprenons que vous avez à la boulet. Et ces gens de décision ça yo, qui font pile moun fâché, en pile gros moun fâché. Et nous-mêmes l'État, pas qu'il y a un monde qui est plus gros monde que l'État, pas qu'il y a un monde qui est plus force parce que l'État. Ça veut dire nous-mêmes aujourd'hui, nous décidons de mettre tout gros monde nous dehors. Nous décidons de mettre toute force nous dehors, toute poète nous dehors, pour nous correspondre à un monde qui va décider de respecter l'argent peuple là. Et c'est pour ça, je dis tout ministre qui a, secrétaire d'État, directeur général, tout fonctionnaire public, connaît que nous tous, nous sommes serviteurs peuple là. Ça veut dire nous là pour nous faire tout le monde. Tout le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit la richesse, quelle que soit appartenance politique ou sociale ou là pour respecter la loi. Ça veut dire, cette histoire que l'argent, l'État, son seul bol penché, je dis à nous redresser, il faut le dépenser pour le peuple là tout. Pour question de combattre la sécurité, la police et la justice recevront l'ordre pour combattre toute gang armée, kidnappée et bandit sur tout le territoire. Pas un côté dans le pays. On va dire qu'on est caché, la police n'a pas pris dessus. Parce que tout dit nous ça, il y a un bon genre de travail qui fait. Mais il y a une information de CSPN qui m'a demandé pour renforcer tout le travail pour que sur tout le territoire, bandits ne pas camper dans le courrier derrière. Il faut que la paix, la tranquillité, la sécurité tourne dans le quartier, dans la famille. C'est pour la population, population civile là, porter collé avec la police tout. Nous n'avons pas peur. Il faut nous dénoncer, vacabon, bandits qui viennent serrer pour la caille nous. Porter collé avec la police, avec la justice, pour nous dénoncer. La police n'a pas efficace. La justice n'a pas efficace s'il pas joué de support, pas nous. S'il pas joué de support, population. Diaspora, songez la caille, c'est la caille. Il faut que nous commençons à réfléchir. Sous qui pi bon moyen nous prenons le poté collé pour Haïti le recamper. Pays nous tout rêvé, c'est ensemble pour nous construire. Personne. Moi je dis personne. Pas venir faire la place. Nous. Diaspora, quel que soit qu'on doit vivre là, connaît que niveau connaissance qu'on gagne, l'argent qu'on gagne, Haïti a tant. Et c'est pour ça, dans toute réforme n'a fait, nous voulons que le système d'exclusion éliminer pour que c'est l'inclusion totale capitale qui peut faire dans le pays. Côté frère nous, sœurs nous, qui vivent dans la diaspora, nous avons une place dans la société pour développer le pays. Pour me finir, je vais rappeler les acteurs politiques. Tout le monde qui est en opposition, je dis, parce que demain, ce n'est pas l'équipe qui va se pouvoir. Ou même qui se pouvoir les nous-mêmes c'est nous dans l'opposition. Mais la meilleure façon qu'on a contribué dans la lutte contre la misère, chômage, insécurité, c'est respecter les règles et les principes démocratiques pour stabilité régner dans le pays. Instabilité politique marche main en main avec violence, avec misère, avec insécurité. Il faut que nous tous engagions pour nous combattre ce phénomène. Je dis bravo pour tout le gouvernement, Premier ministre, secrétaire général Primatia, avec toute l'équipe qui est dans Primatia, qui aide dans l'organisation 3e journée économique. Ça. Et pas oublier, sous qui sa 3e journée ça? L'Ichita. Son journée côté, je parle brasser l'idée sur insécurité alimentaire et nutrition. L'important en pile. Pour embrasser l'idée de la résolution qui sortit, il pourra déboucher sur une bonne recommandation qui pourra permettre l'État de prendre une bonne mesure dans l'avantage et pour bien-être majoritaire. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier ça. Pour voir aujourd'hui, qui est dans le seul côté de sortir. Dans les masses, dans les peuples, dans les gens qui sont faibles, dans les gens parfois qui ne prennent pas les gens, c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir.
faut nous goûter pour nous voir comment nous allons retourner pour voir ça bayou sous forme service. Même si nous ne parlons pas, nous rien droit dire nous parlons, nous n'avons pas les financer, mais faut nous aider, faut nous accepter. Premier sac de pays du A, c'est faire étranger accepter banque là. Parce que je ne l'accepte pas. Mais juste qu'on y en a pour moi. Et mon bon ministre, la ministre finance, ou à bataille. Ma bataille, monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Parce que banque là, il fait déjà. Et je dis, le conseil d'administration monté, les liens locaux. Et banque là, tout monte tout. En attendant que tout reste bac. Pas oublier, banque là, nous te dit, banque là, il y a 95 succursales. Tout bureau agricole communal. En attendant que tout reste bac, yo, 26 qui sont banque là, là commence le travail avec 26 qui sont à travers le pays. Et banque là, prend une banque digitale, parce que ça veut dire tout officier crédit, yo, a des tablettes dans la main, paysan, agriculteur, côté lié dans le jardin, c'est là pour officier crédit, le joindre. C'est pas pour marcher, venir joindre. Parce que les gens qui ont un crédit dans le pays ici, moi je dis nous ça, parce que c'est la dame. Je me dis que c'est nous mieux. C'est Baptiste Desalines, c'est pour joindre acte de baptême, certificat baptême Toussaint. Et nous connaissons côté Toussaint Moule. Ça veut dire l'abdien pile. Lorsqu'on joue Baptiste Desalines, ou potel, Baclandou, côté certificat baptême Toussaint, pour un bon crédit. Ça veut dire crédit qu'on catégorie au monde ici que crédit va exister pour vous. Allez ouais pour agriculteur. C'est pour me dire non, c'est pour ça je dis à banque ça que moi fait mettre sous pied ou pas besoin Baptiste papa de Saline les pour le bon crédit. C'est équipement matériel à production qui va le servir comme garantie. Par exemple sur un projet. Vous voulez monter par exemple une usine pour décortiquer du riz dans la Tibonite. Ou pas rien pour bailler un papier de terre pour pouvoir le faire pour gérer. Ou rien pour porter pour former aller. Et puis pour montrer la capacité qu'on gagne pour capable faire pour gérer ça. Laisse la banque là payer l'équipement directement pour vous. Et payer pour monter l'usine dans tout. Et faire suivi avec vous. Pas la gros pour contre non. Retard jusqu'à ce qu'on finisse payer comme là. C'est wow. BNDA ça. Et moi connais un banque là, vient à parler à plusieurs monde pour faire financement dans des secteurs, dans des domaines, dans la pêche, dans la production pour les déchets, production zé, production café à cacao, production gingembre, production à conditionnement d'iri, production légumes sous serre. En pile, genre de projet ça, c'est des projets à côté pas de l'argent perdu dans eux. L'on banque investit là, pas rien comme bête. Ça le temps de bout demain matin. Seul bagaille, nous toujours disons ça. Agriculteurs pareillement, paysans pareillement, bon règlement, pas gâter les amis. C'est pour nous toujours connaître, c'est acheter, payer, prêter, remettre. C'est ça qui pour faire nous. Rêter les amis. BNDA, pour leurs besoins, augmenter ce qu'on commence à faire pour qu'à développer. Oublier, les affaires agricoles, j'aime te dire, j'aime te dire, son jeune, je n'étais pas parlé de crédit, nous avons comment problème crédit à résoudre dans l'affaire BNDA, il était parlé de l'auto. Je dis, dans la campagne, je n'étais tellement parlé de l'eau, moi son jeune, je n'ai pas débat, ou l'autre candidat, je dis, je ne sais pas, je me dis, je n'ai un livre, ça m'a dit, je me dis, il y a 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent dans la mer, qui jeté chaque année. Et il y a 284 000 jeunes dans le pays qui, dans l'époque, il y a une la pluie, rivière ça inonde le pays. L'air de sécheresse, nous n'avons pas de l'eau. C'est pour ça, dans le programme PANO, nous avons un plan pour nous construire 12 barrages avec retenue, avec réservoir sur eux. Malheureusement, le pays loc, crasé brisé, fait que jusqu'à présent, nous avons travaillé sur deux projets toujours. Barrage Marion, qui ont capacité pour le Kimbe, par les réservoirs, 10 millions de mètres cubes, mais là, qui a transité 20 millions de mètres cubes, ça veut dire rivière Marion,
qui jeté dans l'an, mais 28 millions de mètres cubes d'eau chaque année, réservoir a capable de jouer un rôle pour équilibrer l'inondation qu'on a en bas jusqu'à 20 millions de mètres cubes. Ça veut dire que les gens qui sont dans la zone malfaitie, les gens dans la zone Fort Liberté, ils ne connaissent pas le problème d'inondation encore. Et de l'eau, ça allait le serrer pendant la pluie vient de tomber. L'air de sécheresse, ou pomper ou utiliser pour vous terre. Nous connectons en pile zone production avec zone consommation. Dans le programme pour nous faire plus passer 150 systèmes d'irrigation qui marchent avec soleil, songez ça me dit, comment pour mettre soleil, de l'eau avec mon ensemble pour nous mettre manger dans l'assiette ou avec l'argent dans la poche. Soleil là ne pas négliger. Soleil qui était grillé jardin longtemps. Jodia, ce soleil-là, cap rouge jardin. Parce que nous commençons à installer le système solaire, disons, environ 20 systèmes installés déjà, n'a plus passé 150 systèmes d'irrigation que nous avons projet avant le mandat peuple à Banou en fini pour nous capables d'installer dans le pays. Nous étant bien loin avec un programme avec le pays Taïwan. Nous avons information que le Premier ministre a dit hier, il y a un pays l'Endo qui signe avec nous. Presque une dizaine, disons, sept pompes, sept systèmes d'irrigation solaire. Tout. Ça veut dire, dans le système qui est installé déjà dans le département Nord-Est, dans le département Latibonite, plus précisément dans le Rouge à Gonaïve, dans le département Nord-Ouest, dans le département L'Ouest, nous avons arrivé sur tout notre département, depuis ce côté qui vient de l'eau, qui mérite de pomper, au lieu de nous pomper à gaz, nous avons une pompe avec soleil, qui peut permettre aux paysans de jouer une possibilité pour user jardin. Nous mettons 400e au place dans 4 départements pays. Nous connaissons exactement 100e au place qui s'arrête. C'est des gros pépinières, c'est des méga pépinières. Ministre environnement qui l'a, ministre agriculture. Nous avons une chance d'inaugurer Lyon dans le département nord-ouest, plus précisément dans la commune Port-de-Paix. Dans la section communale Aubert et Sant Sayo capable de produire 4 500 000 pieds bois chaque année. Et même des bons pieds bois qui ont commencé à disparaître dans le pays, c'est Mapou. Moi-même, son pied Mapou m'a planté Aubert, l'Emdalea, Mapou, recommencer à faire dans le pays encore. Pépinière Sayo pour le servir. Pour lutter contre le déboisement qui a fini avec l'environnement du pays. Nous mettons sous pied tout. Après pépinière, nous mettons sous pied 300 semenciers dans le pays. Il y a une vallée la Tibonite qui est capable de produire 12 000 tonnes de semences chaque année. Il y a une Torbec, dans plein de cailles, qui est capable de produire 3 000 tonnes de semences chaque année. Il y a une plein Maribaro. Dans une zone ferrière qui a produit 5 millions de tonnes de semences chaque année. Ça veut dire, Haïti en tout, avant nous te monter président, te produit 2 millions de tonnes de semences. L'aime parler de semences, je parle de semences dures, semences pois, semences maïs, semences pitimi. Ça veut dire toutes graines nettes qui méritent sécher, qui méritent température, le en vont planter. Parce que quand pile monde qui fait jardin, ce n'est pas planter, planter, graines, yo enterré. Parce que l'or achète on se met dans le marché, on a un traitement pour le subir, il n'est pas subi à ce moment-là, sans terre ou enterrer. Maintenant, nous sommes prêts à payer avec 2000 tonnes de semences, capacité de production équitable, nous sommes dans la zone Bogé, dans la Tibonie. Jodia, après 3 ans et 10 mois, nous sortons de 2000 tonnes à 20 000 tonnes aujourd'hui, nous multiplions par 10. C'est ça. C'est ça qui relève. Bonne décision pour prendre. Ce n'est pas nous-mêmes aujourd'hui qui dans salle ça, qui ministre, qui premier ministre, directeur général, gros chef, moi-même qui président, qui pourra jouir de ça affaire là. C'est peut-être président qui a venu après, président qui a venu après l'autre président, mais il faut qu'un groupe de monde qui te prend décision ça, qui dit que Jean paysan, frère Nate dit là, nous avons besoin de crédit, nous mettons sous camp BNDA, nous avons besoin de l'eau, nous venons avec barrage irrigation. Avec système pompage solaire, nous avons besoin d'intrants
nous venons accentuer monsieur Mancio. Ça veut dire c'est ça lié. C'est pour tant de monde qui a une expérience passée. Ce n'est pas seulement ça que vous étudiez dans le livre pour qu'on ait qu'on applique. L'arrivée sur le terrain, c'est pour parler avec le monde, pour tendre. Et je me dis, c'est parce que moi t'étendais mon ça qui fait que aujourd'hui, gros décision ça, yo prend et mes côtés nous aujourd'hui, dans les affaires semences, dans les affaires irrigation, dans les affaires crédit, ça veut dire nous loin. Pour protéger et encourager la production nationale là tout, nous prenons une bonne mesure dans le budget 2020-2021 qui va permettre au pays de produire plus céréales, plus farine, plus pâte alimentaire, ça veut dire spaghetti et latrier, plus tomates, plus pitimi, plus diri, plus produits de base que la population a besoin pour nourrir tête. Ça veut dire nous monter taxes. C'est ça un peu le monde de perfait. Et ça nous va dire du tout. Il y a un gros ami qui est dans un gros pays, alors gros l'autre ami, pour venir porter, à le porter plein, l'autre côté, pour aller président, pour dire président comme ça. Et il y a une explication sur la taxe qui monte. Comme moi-même, je ne demande pas de président pas. Explication, elle a monté la taxe dans le pays pas. C'est pour ça que je réponds sagement. Pour me dire, nous monter la taxe, c'est pour nous protéger la production nationale, la caille nous. C'est pour ça que nous. Ça veut dire, nous comprenons pourquoi ça pays a été boulé à nous. Nous comprenons l'autre. Ça veut dire, pays a été boulé, nous tous qui l'a été passé. Dans les affaires, décisions, ça. C'est des décisions qui ne sont pas faciles, mais il faut que vous preniez. Parce que si pas y a un monde qui prend, la génération qui vient, à juger nous. Et pas oublier, la banque agricole, là, nous mettons l'argent dans le budget qui va financer le projet agricole, qui va permettre au pays à combattre l'insécurité alimentaire. Parce que aucun pays qui respecte la tête, il n'y a pas de vente dans l'autre pays. Pour qu'il n'y ait personne qui dit nous ça, pas d'aucun pays sur la terre qui respecte la tête, qui va laguer 20 populations dans l'autre pays. Premier, ça qui intéresse, c'est faire production pour le cap bail tête de manger avant tout bagaille. Et c'est une décision ça que nous prenons. Là, on prend toutes les mesures en faveur de la production nationale. On va diminuer la dépendance du pays dans la question de manger. On va rééquilibrer la balance commerciale. On va diminuer la pression qu'a faite dans les affaires de dollars, déficit de dollars, qui est obligé de faire l'inflation monter bien haut et la Banque centrale, comme autorité monétaire, obligée à intervenir tout le temps. Parce que non seulement la Banque centrale est obligée d'intervenir parce que les affaires production est important, mais tout pour le freiner les affaires et spéculation. Parce que grand pile de monde qui ont seul business dans le pays. Je ne sais pas qu'on ait acheté l'argent et vendre ton business. Et pourtant, on sait que les gens ne plus gros business qui gagne dans le pays. Je dis, c'est acheter dollars et vendre dollars. Je dis ça encore, pour ne pas oublier, pour ne pas dire, président, business ça, il faut commencer à faire un camper, faut ralentir. Ça veut dire, là, il y a une banque, pas là pour faire 150, 160, 200% profit sur acheter dollars que vendre. Banque fait profit sur bail crédit. C'est sur ça banque fait profit. Ça veut dire c'est pour ça. On croit que tout le monde entendait. Pour personne ne va dire président, si président ça, si on fait ça pas ça, dans les affaires dollars qui prennent aujourd'hui, ou d'ailleurs fait 6 points, ou d'ailleurs fait 10 points, si vous quittez nous qui est beau, ça veut dire, bagaille là, la bien, on s'y plaint. Nous pas rien qui ti plein la donne tout le monde fait sport dans chaque monde dans niveau par ça veut dire ou même ou bien banque si c'est gomba en anglais peuple là spread là c'est marge qui gagne entre prix que dollar acheté à prix que le vendre si nous ouais spread ça gros mot ça peuple là pas qui doit comprendre pas qu'à respecter n'a pas obligé de prendre décision pour nous faire respecter. À ce moment-là, pour aller un petit parle en pile, et puis tout ce petit parle en pile qui gagne, un peuple a fâché. Parce que moi-même, je dis, nous, le peuple a fâché, nous autres vivons. Moi, ça veut dire. Ça veut dire, puis tout ce monde qui fâché, tant ce petit peuple-là qui fâché. Parce que nous-mêmes,
peuple a été voté nous. Il a voté nous pour nous faire bagarre qui n'a intérêt pas. C'est pour ça tout le monde aujourd'hui. Ou finement, j'ai vote ou plein, qui te tire cela pour le monde. Quand j'en puis mal. C'est ça qui peut permettre nous créer équilibre pour nous pas mettre le pays dans le déséquilibre que nous connaissons tout le temps, dans l'instabilité que nous connaissons tout le temps. Moi, je voulais rappeler le monde dans la Tibonite. Songez, ici, là, dans l'Odevea, dans l'année 2018, moi, quoi. Moi, je t'ai parlé de bétonnage canal dans la vallée. Depuis un an, il y a une usine béton qui est dans l'Odevea, là, tout neuf. Usine ça, son gros tonton usine qui a produit 200 mètres cubes béton chaque année dedans. Usine ça, nous connaissons ça là. Les là pour le bétonner tout canal qui est dans la vallée. Il n'y a pas moins de temps commencé. Mais usine là, là, nous avons installation, nous commencé à faire des eaux. Moi, j'ai demandé au directeur général ODVA, ministre de l'Agriculture, PES Accélérateur, pour nous avoir commencé avec installer l'usine là. Parce que vallée la Tibonite, il y a environ 210 km canal d'irrigation. Pas oublier canal drainage. Il n'y a pas besoin de bétonner. Mais canal d'irrigation, pour éviter que de l'eau ne parle pas infiltration, ne pas rentrer dans la terre. Et puis nous pas obligé chaque année pour nous curer le canal. L'État bon si nous devons un gros programme, nous bétonner. Parce que en fait, si nous avons une usine là déjà, et nous songeons dans les en cours, c'est ça, nous avons déjà un gravel. Reste là, c'est mettre tête ensemble pour nous comment. Nous sommes capables de commencer le travail ça pour l'aime pas président encore. Là, ça m'a passé dans la vallée, m'a dit, bon, mal visité on s'est eu de canal, tant que Upe Benoît, Laure Benoît, canal Coussin, canal Atibonite Sud, Atibonite Nord. Nous allons visiter pour nous regarder. Parce que nous connaissons pile chef ici là, surtout sénateur Atibonite, surtout député non. Cette circonscription dans la vallée, il y a un canal qui n'est pas là. Parce que si vous foncez dans la boîte, avec dit, si vous ne connaissez pas, le peuple n'a pas de bouton. Il faut réciter, parce que là, on vient dans la zone. Premier, ça vous dit, peuple, qu'il est là, qu'il y a un canal par là pour nous. Ça veut dire, si nous arrivons à nous bétonner, c'est la meilleure raille pour nous. Pour nous être capables de mettre les gens dans une bonne situation. Dans le dernier voyage que j'ai fait dans la vallée, j'ai demandé pour construire un gros commissariat de police dans le Bonsondé, qui a pris les policiers pour combattre les bandits dans la vallée. Parce que j'aime te dire, moi, je crois que les bandits, c'est deux côtés qui ont rien comme place. C'est dans la prison et dans le cimetière. Ça veut dire que les bandits, pas un bruit sur le monde. Les bandits, supposé, ils mettaient ça hors d'état de nuire. C'est pour ça que le commissariat, ça, nous allons mettre un gros paquet technologique là-dedans. Pour moi-même, rêve PAM, c'est le premier côté nous allons mettre un volume technologique pour surveiller, de surveillance 24 heures sur 24, qui va permettre qu'un centre de commande nous veille toute vallée en temps réel. Alors, quelque chose à côté, oui, pour faire ça, pas ça, c'est garde-toi, on nous réveille sur vous, parce qu'il n'y a pas qu'à veiller en temps réel. Reste c'est pas technologique, c'est des raisons d'État. Nous n'avons pas besoin de dire comment nous allons faire, mais nous allons faire en temps réel. Et nous allons faire la journée qu'on en nuit. Moi, songe, là nous avons mis l'argent dans le budget 2017-2018, là, pour nous acheter matériel avec l'équipement, ça, l'équipement que nous avons parlé, là, qui travaille dans tout le pays, il y a une grosse manipulation qui est faite. Il y a une pile gros menti qui est faite dans la presse. Il y a un sénateur depuis Texita là, même la caillou va te caler. Parce que moun yo te dit yo pour ça, yo voton budget criminel. Yo te bay budget adjectif. D'ailleurs, première gros manifestation mbon le 12 septembre 2017 à cause de budget criminel là. Et budget criminel ça, c'est lui même jodi a. Tout moun wè utilité équipement yo. Par exemple, moi, j'ai un gros monde qui est là, hier matin, dans le CAI, qui dit que dans la 4e section, il y a un gros lapin qui est tombé, tant pis, il y a les travaux publics pour aller pour eux. Mais hier soir, j'ai une information, les travaux publics sont arrivés, l'équipement est arrivé, et ils ont aidé, le ministère public là, comme ça, ils ont aidé les gens pour gloire
parce que nous avons nous, une période là, nous avons une période si le cyclone n'a pas fini juste 30 novembre. Pour si la pluie a devine tombe encore, il y a un boucher brèche pour permettre de l'eau avant route. Li. Mais c'est l'équipement qui est acheté, qui est utile. Et pour qui ça monte ça, il fait tout ça. C'est parce que vous êtes ouais. Vous êtes compris côté de moi. Vous êtes compris à clair. Je dis à tout le monde à la Mounbade, vous avez utilisé l'équipement ça. C'est vous qui tout côté dans 10 départements pays à bail service. Nous construit l'aéroport Jérémy, mon Jérémy qui a regardé là, nous construit toute rue en dans ville Jérémy, nous construit route Calcorail, nous construit route numéro 2 dans l'aéroport Jérémy, nous construit route qui connecte plusieurs communes dans nord-est pays, dans la zone de montagne nord-est qui n'a pas de route du tout. Et maman Bemba, équipement ça, c'est eux-mêmes qui ont construit aujourd'hui route Cafoujof là. Ça veut dire pile monde. Dit que route ça n'est pas possible, mais même moins dit côté bien volonté à courage à sagesse toute bagarre est possible et route la construit et la fine fait avant de quitter pour moun dit en pile bagarre, mais les pour faire c'est l'équipe difficile. Nous équipement ça va lève dans rue de la Réunion. N'importe où prince. Tout le monde, nous songeons les premières fois photos apparaissent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dit, je suis dit, ça veut dire, nous ne sommes pas belle bagaille. Pour qui ça? Nous-mêmes, groupe moun sa yo, qui vient pouvoir nous mener aujourd'hui, nous croyons que peuple ça, son peuple qui méritait belle bagaille. C'est pour ça. Travail qu'a fait dans le centre-ville Port-au-Prince pour nous construire une cité administrative là. Travail qu'a fait dans plusieurs côtés dans le pays. Tant que route qu'a fait l'imbé pour aller au cap, ville l'imbé qu'a reconstruit qu'on y a net. Travail qu'a fait dans les affaires courantes dans tout le pays. C'est parce que le peuple là nous respecte. Nous connaissons que nous méritons belle bagaille, nous méritons bon bagaille. Ça veut dire, le monde dit belle bagaille pas semblable avec vous. Le monde ça, il va vraiment, il va respecter. Nous-mêmes, nous croyons ça. Nous connaissons que ça qui est bon, ça qui est belle, ça vaut que vous semblez. Je prends engagement dans la bataille que je mène pour me réduire la dépendance alimentaire du pays. Je veux tout le monde comme ça. Je veux ni pays qui sont mis nous, ni gros autobus qui ont fait business ici, pour qu'on connaît. Moi, je n'ai pas contre personne. Le pays n'a pas contre personne. Le pays a seulement demandé pour me prendre plus bon mesure qu'il y a un avantage majorité population. Mais ce n'est pas contre nous rien. C'est pourquoi j'aime parler des affaires de là. Ce n'est pas contre nous rien. Mais c'est pour tout le monde qu'on que je dis, nous là pour nous protéger plusieurs millions de monde qui vivent dans la pauvreté dans le pays. Il faut nous manger, il faut nous chercher pour nous travailler pour nous. L'homme choisit de venir à la Tibonite pour l'activité ça aujourd'hui. Nous n'avons pas qu'à parler de Dieu. Nous ne pouvons pas qu'à parler de lui seulement. Parce que nous songeons l'homme de Timon. C'est chaque dimanche que nous mangeons Dieu, la caille moi. Et pourtant, je dis, les Haïtiens mangent du riz chaque jour. Ça veut dire, le pays a, mais nos situations, nous avons besoin de 500 000 tonnes de riz chaque année pour nous manger. Pour ne pas dire plus, passer 500 000 tonnes. Et pourtant, on a produit entre 100 et 120 000 tonnes. Nous avons un déficit de production qui dépasse 350 000 tonnes. Nous avons un pile de dans le pays qui a produit du riz. Dans la vallée seulement, nous sommes tendés, magistrat Saint-Macla, il parlait de 39 000 hectares en tout qui vient de l'eau. Mais en fait, il y a plus de 50 000 hectares qui sont capables d'irriguer. Et ça, le dit, c'est vrai, d'environ 32 à 39 000 qui viennent de l'eau sur eux. Mais en fait, nous sommes arrivés à user jusqu'à 50 000.
Mais système irrigation ça qui arrive sur environ 32 000 hectares, la donne qu'on va oublier, ça a 6 000 hectares qui chargé à lèche. C'est ça que nous dit tout à l'heure. Ça veut dire, grain yo, pas jamais qui veut. Vieux zèbre envahit terre yo. C'est peut-être ça. Songez, ça nous dit nous, gros tracteur ça, amphibie là pour résoudre le problème qui rage, grain ça. Que bon Dieu béni Haïti. Aïe Bobo Haïti. Vive Haïti, merci un peu. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.